C'était assez naturel. C'était basé sur une expérience personnelle, essentiellement passée ces 20 dernières années hors de France. Et en tant que Français, je suis revenu en France dans des interactions avec des groupes académiques et j'ai vécu de l'extérieur la complexité du tissu de la recherche et de l'innovation en France, la difficulté à mettre des partenariats en place. Et une fois que j'avais appris que l'ARIS se mettait en place et j'ai pu voir les premiers travaux de l'ARIS, donc depuis 2010, il me semblait tout à fait naturel d'être un candidat pour ce travail-là. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, j'ai appris très tôt que ben, on ne décrétait pas l'innovation, qu'innovation, il y en avait partout, mais il y en avait surtout à l'extérieur de sa propre boîte. Et donc toute structure qui peut vraiment faciliter la mise en place et l'interaction des acteurs générateurs d'innovation me semble essentielle. L'ARIS a été créée début 2010. Un certain nombre de travaux ont été lancés, en particulier des enquêtes qui vont nous permettre de mieux comprendre les interactions, les difficultés potentielles à mettre ces partenariats en place, qu'ils soient encore une fois public-privé ou privé-privé. Donc, on a fait une enquête spécifique qui implique 40 entreprises de la santé pour essayer de mieux comprendre quels étaient les problèmes et potentiellement quels seraient les leviers et les solutions à mettre en place pour améliorer la fluidité et la rapidité d'exécution et de mise en place de ces partenariats. Donc ça fait partie des grandes enquêtes en cours qui délivreront leurs résultats au tout début de 2012 et qui nous permettra ensuite, basé sur des solutions potentielles, de mettre un plan d'action et d'implémentation en place. D'abord, il y a la suite d'une des actions principales qui a eu lieu les 3 dernières années, qui sont les rencontres internationales de recherche. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il y a maintenant un suivi et plus une implémentation suite aux investissements d'avenir. La troisième chose, j'en ai déjà parlé un petit peu, sont les enquêtes qui ont été menées sur cette dernière année et qui vont délivrer leurs résultats début 2012. Donc ça me semble être les grandes actions. Il y a évidemment la suite du travail qui a été fait sur les biobanques. On est en train de mettre l'infrastructure en place qui devrait se terminer en 2012 pour avoir ensuite une exploitation opérationnelle de cette biobanque en 2013.